Appliquer une suite de transformations isométriques à l'aide des outils ci-dessous pour superposer le triangle bleu au triangle NIT. Les deux triangles sont-ils isométriques Alors les transformations qu'on nous propose sont là, hein, c'est ça les outils. On peut faire une translation, une rotation, une symétrie orthogonale ou une homothétie. Voilà. Alors on pourrait le faire directement ici, mais j'ai préparé, un... j'ai fait une capture d'écran pour pouvoir travailler un petit peu sur cette figure d'abord. Alors la première chose, c'est d'essayer de voir quel sommet va se correspondre ici. Donc là, a priori, ce sommet N, ce point ci, va correspondre au sommet N. Donc il faudrait faire une translation d'un vecteur. Euh, je vais le tracer ici, d'un vecteur qui va qui va emmener ce point là en ce point ci. Donc ça, c'est le vecteur que dont je vais chercher à, à trouver les coordonnées en fait. Hein. En gros, il faut que je me regarde, il faut que je regarde de combien de carrés je dois me déplacer horizontalement puis verticalement pour arriver pour passer de ce point là à ce point là donc euh, en fait je vais me déplacer comme ça euh, horizontalement comme ça il faut que je me, je me déplace vers l'arrière donc ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 carreaux dans le sens euh, négatif hein, dans le sens euh, ça, ici c'est le sens positif et là c'est le sens ça c'est le sens positif et ça c'est le sens négatif hein, par là donc euh, là je vais avoir une translation de moins 9 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moins 9 carreaux. Et puis ensuite, je vais monter, donc dans le sens des y positifs. Hein, là c'est le sens des y positifs. Donc je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 carreaux. Donc finalement, je vais faire ce que je vais faire, c'est une translation, une translation de vecteurs moins 1. Alors, de vecteurs, pardon, j'ai dit moins 1, mais ce n'est pas du tout ça. C'est moins 9. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De moins 9 et 13. Voilà. Alors, si je fais ça, je vais me retrouver avec le même triangle que le bleu, mais placé ici. Donc là, je peux le dessiner. Hein. Je vais le dessiner. Je vais placer... Je sais que ce point-là, il est ici. Je vais placer maintenant les autres sommets. Donc là, il y a 2 et... Deux carreaux, je déplace de deux carreaux et je monte de deux carreaux. Donc ça, c'est le deuxième sommet qui est là. Donc j'ai déjà un côté qui est comme ça. Et puis ensuite, celui-là. Alors pour placer ce troisième sommet qui est là, je me déplace par rapport à celui-là. Je me déplace de trois carreaux dans le sens positif. Et ensuite, horizontalement dans le sens positif. Et puis ensuite, je monte de quatre carreaux verticalement. Donc là, je vais me déplacer de. 3 carreaux, donc ça fait 1, 2, 3, je suis ici, et je monte de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4, c'est vraiment juste. Donc le sommet correspondant, il est là, et donc là, je peux tracer le triangle, voilà, comme ça. Donc je me retrouve avec ce triangle rouge qui est là. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est une symétrie selon cet axe-là. Je vais tracer l'axe. Si je fais une symétrie par rapport à cet axe, le point N ne va pas bouger puisqu'il est sur l'axe, hein, donc il va rester lui-même. Par contre, ce point-ci point va correspondre... Alors, je suis à deux carreaux de, de l'axe, la, de et donc je dois être à deux carreaux de l'autre côté de l'axe. Donc, effectivement, je me retrouve au point T. Voilà. Et puis, ce sommet-ci, il est à 1, 2, 3, 4 carreaux de l'axe. Donc, donc, son image va être à 4 carreaux de l'autre côté. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, et effectivement je me retrouve sur ce point-là. Donc là maintenant je peux tracer le, le, le triangle final. Alors c'est celui-là que je trace en bleu. Voilà. Et là je vois qu'effectivement, les deux triangles sont parfaitement superposés. Donc là ce que j'ai fait, alors j'ai fait d'abord une translation de ce vecteur moins 9,13. Et ensuite, j'ai fait une symétrie par rapport à cette droite-là, cet axe-là. Donc, c'est une symétrie d'axe, la droite qui est en bleu, et en fait, il faut trouver sa, sa, son équation. Hein. Il faut arriver à déterminer son équation. En fait, c'est la droite pour laquelle l'altitude des points, l'ordonnée des points est 6. Donc, c'est la droite d'équation y égale 6. Voilà. Alors, maintenant qu'on a résolu le problème, on va retourner sur le, sur le module d'exercice, et puis on va le faire en ligne. Donc, on a une, une translation de vecteur moins 9, 13, suivie d'une symétrie d'axe y égale 6. Alors, je reviens là. Donc, je vais faire une, une euh, translation de vecteur moins 9, 13. Voilà, ça c'est, on obtient la figure que j'avais tracée en rouge. Hein. C'est cette figure-là. Et ensuite, je vais faire une symétrie orthogonale par rapport à la droite passant. Alors ici, on ne nous demande pas l'équation de la droite en fait. Hein. Je, me, je pensais qu'on demandait l'équation de la droite. Là, on ne demande pas l'équation de la droite on demande euh, deux points par lesquels par laquelle cette droite passe. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que c'était la droite d'équation y égale 6, donc elle va passer par exemple par le point de coordonnées 0, 6, donc abscisse 0 et ordonnée 6, et puis un autre point, ça peut être par exemple le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 6. Ce qui compte, c'est que l'ordonnée soit 6. Voilà, alors... Ça, ce sont nos deux transformations. Maintenant, je vais remonter un petit peu et on va répondre et on va cocher la bonne réponse. Les figures sont, sont isométriques puisque effectivement elles sont superposables. Donc, on va cocher la case oui. Voilà. Alors avant de terminer, je peux quand même faire une petite remarque sur euh, cette question-là. Les, les triangles sont-ils isométriques En fait, les triangles seront isométriques si les transformations qu'on a utilisées pour les superposer sont des transformations euh, isométriques, c'est-à-dire qui ne transforment pas les longueurs. En fait, là-dedans, dans les possibilités, translation, ça ne transforme pas les longueurs, rotation non plus, symétrie non plus. La seule transformation ici qui est notée et qui ne sera pas une transformation isométrique, c'est celle-ci, c'est l'homothétie, parce que celle-là change les longueurs. Euh, elle dilate ou contracte les longueurs donc si on a utilisé pour superposer nos figures si on a dû utiliser une homothétie eh bien dans ce cas là les figures seront, euh, ne seront plus isométriques donc voilà en fait si dans la suite de transformations que tu utilises euh, pour superposer les figures il y a une homothétie eh bien dans ce cas là les figures ne seront pas isométriques si au contraire il n'y a aucune homothétie eh bien les figures seront isométriques